Les frères, épisode 3, on est à la partie 3 du let's play. Bah c'est parti, voilà c'est parti, go. Donc on s'était arrêté ici dans la forêt. Là je sais plus trop ce qu'on devait faire, comme j'ai joué hier, là on est le lendemain. J'ai lu un peu vos commentaires, il y en a certains qui disaient oui, le son il est en décalé et tout. Comme je l'ai dit les frères, je peux pas faire autrement. Je pourrais vraiment pas faire autrement. Je fais mon max après, voilà, mais bon. Et sinon l'épisode 2, normalement il est déjà sorti, et voilà. Donc là je sais plus trop ce qu'on devait faire. On en était, on va faire une mission de... Je crois avant, ah oui, parce qu'en fait j'avance trop dans l'histoire, mais je suis pas, mon niveau il est pas assez élevé. Je crois qu'il faudrait qu'on fasse aussi quelques quêtes secondaires, je vous cache pas. Donc on va faire bon, on va faire celle-là, hein. Une cueilleuse disparue, on va faire ça. Exactement, c'est parti. Alors, putain, c'est loin comme ça. En fait, je suis tellement pressé d'avoir un truc pour qu'on puisse voler, parce que là on est super lent, genre. Je sais vraiment plus où on s'est arrêté à quoi. Ouais, parce que j'avais déjà ma tenue, j'avais mis un petit slip. C'est bah go, hein. Go. Alors, là on fait la mission, une cueilleuse disparue, demandez aux habitants du camp de Bosquette Ombragée s'ils ont vu Wuhan. Le camp se trouve dans la région des lacs de Tulle. Ok, super. Ah oui, j'avais vu aussi, quelqu'un m'a demandé, du coup, remarque très intéressante que j'ai vu dans les commentaires, d'enlever ma caméra pendant les cinématiques, ce que je vais faire maintenant. Comme ça, je pense que ça va être mieux pour vous. C'est qui? C'est moi, ouais. Bonjour. Allez, mettez-vous à genoux devant votre, devant votre seigneur, là. Allez. Elle me calcule même pas un peu, allez. On y va. Faut juste que je... Mais c'est super long où je dois aller, wesh. C'est quoi, ça? C'est intéressant? Récolter. Mais, en fait, avant, il me le mettait, mais maintenant, il me met plus. Et je sais pas c'est quoi le bon angle. Ah, j'ai capté. Je crois avoir capté. Alors, c'est quoi? C'est une baie piquante. Ok. Je sais pas à quoi ça peut nous servir, mais on verra bien. Alors. Putain, mais là, j'ai un voyage à faire, gros. Bah, je pense que ça va passer par là, hein. De toute façon, on est obligé. Je vais en prendre un petit peu, comme ça, on aura de la vie. Voilà. C'est bon, je commence à capter, les frères. Je suis trop fort. C'est bon. Merde. Bah, c'est où, là? Ah, là-bas. C'est beau sous l'eau, wesh. Dommage, ils ont pas mis des poissons, ça aurait été cool. Enfin, des poissons, genre, je sais pas, des petits crocodiles ou des animaux marins, quoi. Ça m'a l'air d'être derrière, donc je pense qu'on va escalader. Hein. On va escalader directement. Je pense au montage, tu peux zapper tout ça, là, le temps que j'y aille et tout, comme ça va être super long, là. Sauf s'il y a un élément. Regarde quand même le rush et tu verras, mais... Là, ça va plus être relou qu'autre chose, je pense. Faut qu'on aille où? Mais dis pas, on doit aller tout là-bas, là, toi. Ah oui, mais je peux me déplacer rapidement. Bah oui, il y a les voyages rapides, frère. Ah oui, mais là-bas, j'ai pas encore connu. Je connais pas c'est où là-bas, putain, merde. Je peux pas faire un petit voyage rapide, là? Ne plus suivre. Ok, bah je crois que je me suis juste fait arnaquer. Bon, je pense qu'on va se taper là, non? Ok. Putain, j'aurais aimé faire un voyage rapide, en fait. Ça nous aurait servi de ouf. Putain, ma chaise, elle tombe encore. Ok. Attends, je vais voir. On est niveau combien? On est niveau 3. Je pense que c'est cette mission qu'il faut aller faire. Ouais, en vrai, tu peux zapper tout le moment là et je vais juste rush jusqu'à tout là-bas. Où est ton clan? Celui-là est au début. Dis-moi que c'est par là. C'était même pas par là, frère, pitié. C'est par là-bas. Vas-y, bah go. Hé! Je suis tombé sur des hops. On va essayer de me laisser tranquille. Là-bas, là. Je peux me faire rien de tout, ça c'est pas mal. Oh putain, vous m'attaquez de con, frère. Plutôt, mais je peux pas aller là-bas, wesh, en vrai. Bah, c'est trop loin en fait. Ok, bah mais à partir de ce moment-là. Mais frère, en fait c'est trop loin, je peux pas encore aller là-bas. Enfin, je trouve que c'est super loin, wesh. Y'a pas un truc à côté plutôt? Parce que là, c'est à 2000 mètres, frère. Autant que je fasse un truc, regardez. Vous savez quoi? On va faire une mission 5 et. En fait, vous savez quoi? On va faire une mission de niveau 5, même si on est niveau 3. C'est à côté, on va y aller direct. Parce que là, c'est trop loin, frère. Wesh, il me demandait d'aller à 3 km, wesh. Et en plus, guetter là, c'est les îles en fait. Bah, je pense qu'on va. On va y aller après. Je pense que tant qu'on n'a pas d'oiseau, ça va être compliqué. Ok, on va foncer, hein, c'est tout, je crois.
À 600 mètres. C'est à l'arbre alors. Bon, autant me TP à l'arbre. Ouais, bah ouais, j'ai perdu tout ça temporairement. Le totem ? Il paraît familier d'une certaine manière. Rinella, j'ai trouvé un truc. Je pense que c'est un vieux totem. Les couleurs sont un peu parties, mais ça a l'air Sarentu. Un autre totem de notre peuple. Nous en avons vu un aussi. Un autre ? Alors, il doit y en avoir encore plus. Si, je peux me TP ou pas ? Ok. Bah, tu sais quoi, coupe tout le passage et mets le passage de maintenant. Mets le passage de là, là. Coupe tout jusqu'au au moment où j'ai dit qu'on va faire la mission. Et tu laisses juste au moment où j'ai dit ouais, on va faire une autre mission, etc. etc. Bref, je te laisse t'organiser. Ah, j'ai faim par contre. On va manger, de toute façon. Et il a vu quelque chose ? Ok, c'est en haut la mission. Là, faut que je monte par où ? Nos ancêtres voulaient sûrement que nous voyions quelque chose. Putain, je suis tombé, frère. Je trouverai peut-être le bon angle. Mais plutôt, en fait, c'est par où on monte, wesh ? C'est un nid ? C'est quoi ? C'est complexe, hein ? Je vais passer par là ? Oula, attendez. Ok, y a pas un autre chemin par là, je suppose. Ouais, voilà, je me suis fait arnaquer encore une fois. On va passer par là, on va aller à droite, peut-être on peut monter, c'est bien faux. Allez hop. Peut-être par là, non. Ah, par là, je suppose. Dis-moi que je peux monter. Oui, enfin, pitié, ok, super. Bon, bah, par là, après on est encore où? Encore en haut? Ah bah c'est bon, monte. Ok, super. Bon, on va faire la mission, l'œil des Wa. Parler à Itouwa dans le nid des Kinglore au sommet de l'arbre maison. Bah c'est lui, non? Carré. Pardon, je cherchais Itouwa. J'enlève ma cam. Non, ne pars pas. Reste avec moi un moment. J'ai laissé parler ma peur et ma colère. Et j'ai déshonoré ton chagrin. Même si elle a rejoint Eiwa, le souvenir de ma douce Asae me rappelle tout ce qui nous a été enlevé. Ah, piré. Sa sagesse et sa bonté restent en nous et en Itouwa. Je vous vois, toi et toi, suivre le même chemin, un chemin qui l'éloigne de moi. Elle est comme sa mère, impétueuse et obstinée. Elle est l'intrépide Na'vi que j'aimerais devenir un jour. J'ai tenu Asae dans mes bras quand elle est morte. Elle était intrépide, elle aussi. Là où tu vois un risque nécessaire, je ne vois que guerre et désolation. Mon peuple a déjà tellement perdu. Mais si tu fuis le combat, tu risques de tout perdre. Un instant, nous avons cru voir l'esprit pacifiste des Sarentu en toi. Mais il semble avoir péri avec eux. Je vais aller voir Itouwa. Ok, bah là, faut qu'on aille voir Itouwa, du coup. Pourtant, il n'a pas l'air de nous faire confiance de fou. Alors, retrouvez Itouwa pour lui dire qu'Itou est en vie. Elle devrait être... Oula, il m'a même pas le dessin. Ok. Elle devrait être juste devant l'arbre maison, à côté d'un arbre au nord-ouest. Ok, on va faire ça. Ok, bah là, en bas, du coup. C'est parti, ça m'a envoyé en mission. Pendant, je suis encore malade comme hier, j'ai le nez qui coule et tout, c'est trop relou. Et attention. Il est où là? Elle doit être là, non? Ouais, là-bas. Ah ouais, mais en fait, elle était bien loin. Attendez, si je fais ça et que je fais... C'est bon, je suis pas mort. En vrai, ils peuvent sauter de haut, hein. C'est dingue. Ok, super, je crois qu'elle est là. Comment peut-il penser que c'est de ma faute? Est-ce que... Voilà le retour de notre héroïque Sarentu. Tes ancêtres doivent être fiers. Les chasseurs m'ont informé de la triste mort de Zomei. Ceux qui viennent du ciel ne respectent ni la vie, ni la beauté. Ils sont responsables pour les Kinglore, j'en suis sûr. Qu'y a-t-il? Lorsque ta mère avait ce regard, ça se finissait mal. Lis-toi, leur reine. Elle te montrera ce qui l'a fait souffrir. J'ai essayé, mais je n'ai pas compris ce que j'ai vu. Et si elle me rejette? Je tiens plus des humains que des Na'vi. Tu es les deux. C'est ça qui fait ta force. Et oui. C'est pour ça que ça doit être toi. Ton père risque de nous bannir s'il l'apprend. Je sais qu'il a peur pour nous, Nefika. Mais si nous ne faisons rien, il n'aura plus rien à protéger. Elle a pas tort, en vrai de vrai. Est parfait pour un rendez-vous en toute discrétion. Oui. J'y escorterai la reine des Kinglore. Apaise ton regard, ma Yantou.
Mais je suis quand même foulard un peu. Une simple piqûre. Et quand tu te réveilleras, nous te donnerons un Nyctsiei de nectar. Une piqûre? Ce n'est rien. Le Nyctsiei de nectar te remettra sur pied. Tous ceux qui demandent des visions à la reine des Kinglor doivent récupérer du nectar avant le rituel. Donc là, ça va m'envoyer du nectar, je pense. Hein. Tu es plus Navi que tu ne le crois. Allez, file. Ok. Donc là, je pense que ça va m'envoyer acheter du nectar pour qu'on aille voir la reine, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, il faut aller récolter du nectar de ruche des marais pour préparer le Nyctsiei pour le rituel avec la reine. Ok. Utiliser le guide des chasseurs et la carte pour aller pour trouver le chercher. Ok, non, le guide des chasseurs. Alors, c'est le Nyctsiei, c'est quoi? Je sais plus c'était quoi. Comment ça s'écrivait déjà? On va aller dans matériaux. Non, c'est pas de la fibre, hein. Non, du tout. Type. Ok, bah, je pense que c'est la flore, du coup. Et Oula, attendez, je me suis un peu perdu dans tout ça, là. Ok. Je sais pas c'est quoi. Peut-être que je l'ai pas encore découvert. Bon, on va aller directement là-bas, je pense, hein. On va faire un petit tout droit. Ça dit quoi, Maïdi? Wouh! Mais ils font... On fait tous la même taille, je crois. Hein. Les pauvres. On fait vraiment tous la même taille, je crois. Tac. Ok, là-bas. Bon, c'est parti. Hein. On va un peu rush, là. Parce que là, faut qu'on monte de niveau, là. Là déjà, c'est une mission niveau 5, on est que niveau 3. Il y a un gros souci. Mais c'est pas grave. C'est encore tout droit ou pas? Ouais, lourd. Par contre, je crois faut que je commence à aller chasser pour me faire des nouvelles armes, je pense. Ou même des... En fait, faut que je trouve des pièces détachées pour me faire des balles. Là, en vrai, ça va, j'en ai. Des flèches, ça va, j'en ai aussi. Je vais me faire des flèches... Faut que j'aille récolter ça. Je sais pas où ça se récolte. Mais dites-moi, c'est... Bon, bref, c'est un peu relou, mais dites-moi si vous voulez un épisode où vraiment, genre, en mode... Full matériaux, full chasse, full... T'as vu, on fait que ça. Parce qu'en vrai, j'en aurais besoin. Ou peut-être je le fais hors live. Hors vidéo, si ça peut saouler, je pense. Parce que c'est un peu relou. T'as vu, je fais pas les missions secondaires. Je fais que chasser, récolter des plantes et tout. Je peux faire ça hors vidéo, au pire. Mais bon. Alors, c'est juste bientôt là. Oh là là, ça se bat. Voilà. Ça m'envoie encore au charbon, je vais encore perdre 10 000 fois. Allez, c'est le moment. C'est le moment, les frères. Ouais, je suis en train de tuer le monstre. Oh, il y en a un juste là. On va tirer dessus. En fait, j'ai flop. J'ai flop, les frères. En fait, faut que je le saute. Ouais, j'ai plus de vie. Mais j'avais pas vu. Non, je refais. Pardon. J'avais pas vu. Bah, je suis où, là? Ok, c'est là-bas. Putain, ça veut dire que ça s'est annulé ou pas? Arrête, je crois que ça a disparu. Non! J'avais plus de vie! Vas-y, on est mon goumé, wesh, putain! Dommage, pas grave. J'aimerais tellement visiter les îles en haut, les gars. Why, ça a l'air d'être méchant. Attends, laisse-moi sauter. Ouais, c'est là-bas, hein. Oh purée, guettez la nature, wesh, quand tu viens ici. Ah, y'a un campement là, attendez. Je vais aller fouiller des balles, on sait jamais. Alex, je suis devant un tel labo. Il est vide et complètement éteint. Ah oui, la plupart ont été temporairement éteints. Caché, le cache est vide, ok. Ah, je peux stocker des trucs. Croûte vipère. Je peux utiliser ces labos, tu crois? Dégâts à la faune et flore. Ok, bah je vais déplacer ça là. Ah non, ça faut que j'en ai. Et ça pourrait nous aider de remettre en marche ces labos. André, regarde ton seed. Il devrait capter un signal du système d'alimentation du labo. Regarde ton seed. Les murs et connecte les onduleurs au disjoncteur principal. Ça devrait fonctionner avec n'importe quel labo de la frontière occidentale. Ok, je crois qu'il veut que je répare le truc alors. Ok. Là, je te le répare aussi, du coup, ici. Non, là, du coup, pardon. Non, là-bas, pardon. Là. Et normalement, ça devrait réparer le labo, il a dit, c'est ça? Ah, je suis bloqué. Je me suis... Ah, ok, j'ai eu peur. Ok, du coup, c'est là maintenant. Super. Le dernier. Alex, méchant. J'ai réussi. Le labo est de nouveau en marche. Parfait. Et les plantes, elles revivent. Il se passait tellement de choses dans ces labos.
Bon, je vais récupérer plein de trucs. La plupart des recherches et leurs précieuses données ont été abandonnées. Il devrait y avoir un terminal connecté au QG. On va voir si ça fonctionne. Ouais. T'as... Tu peux essayer d'utiliser le terminal, s'il te plaît? Oh, il y a plein de trucs. Let's go, fabriquer. Ah, je peux fabriquer des trucs, sélectionner un plan à fabriquer. J'ai le plan de quoi? J'ai deux plans d'arc. Why? Arc lourd de Kitangi. Comment c'est l'artisanat? Ah, et là, faut que j'aille chercher ça, du coup. Vous n'avez aucun matériau dans cette catégorie. Ok, bah je vais me faire foutre. Il y a un haut que j'ai. Merde, attendez. Comment c'est l'artisanat? Ah, mais j'ai rien pour fabriquer, en fait. Je crois qu'il faudrait que j'aille chercher. Il y a quoi dedans? Fouiller. L'inventaire est plein, munitions de balles. Ok, bah je vais aller déposer des trucs dedans, là. Des trucs dont j'ai pas besoin. Comme ça, je vais récupérer des bons trucs, là, parce que... Chargeur de guérilla, j'ai besoin. Ah, je peux pas améliorer mon sac, en vrai, aussi. Nourriture. C'est quoi, ça? Arc flamboyant. Attends, mais pourquoi je l'ai pas mis? Mais je suis fou, quoi. Ah, j'ai... Ok, bah il me sert à rien, là. Je vais quand même le garder, je vais juste enlever ça. Tout ce qui est peau, là. Ok. Et je vais aller fouiller directement là-bas. Ouais, je crois que je suis monté au-dessus, putain. Merde. C'est là et après c'est là. L'inventaire est plein. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, tac, y'a rien là. Ok, bon, on va continuer. Mais en fait, je croyais qu'il m'a dit de réactiver quelque chose. Ah, ça brûle, le feu, ça brûle. Cuisto. Ah oui, mais là, y'a rien à cuisiner sur ça. Hein. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, c'est peut-être ça à réparer, non? Entre le truc à l'intérieur. Répondre. Alex, tu m'entends? Je t'entends parfaitement. Sache qu'il y a un terminal comme celui-ci dans chaque labo. Ok, super. N'oublie pas de les regarder en passant. Qui sait? Quelqu'un du QG pourrait avoir des infos intéressantes. Bon, je te laisse tranquille. Ok, j'ai capté. Let's go. Attendez, wesh, oh non, il est toujours à 1%. Bon, au moins ça en a fait. Reprenons la mission. Parce que depuis tout à l'heure, c'est le but principal. Oh les gars, lui je me le fais, lui. Ah non, mais il est déjà en train de mourir, Est-ce que je peux aller l'aider, vous pensez, ou il est déjà mort, là? Ah ouais, non, c'est pollué, putain. Faut que je répare la zone. Guettez comment c'est moche, wesh. Wouah. Et dire que dans quelques années, notre terre, elle sera comme ça aussi. Oh purée. Oh non, des feuilles, elles sont mortes. Guettez l'arbre, il a même plus envie de vivre. Il est même plus vivant déjà. Oh putain. Ah, c'est juste là. Oh, je ne peux rien faire avec cette pollution. Priya pourrait peut-être m'aider. Hé, hey, Priya. Oh merde. Quoi? J'ai renversé mon café. Enfin, la boisson, on fait passer pour du café. J'ai atteint une partie de la forêt qui est très polluée. C'est où? Ça m'empêche d'aller chercher le nectar dont j'ai besoin. Voyons ça. Alors. Ok. D'accord, je vais aller voir ça. Ok, donc il y a encore une pollution à côté. Souviens-toi que cet endroit est sûrement bien gardé. Alors fais bien attention. Pourquoi faire ça? Mais Maïdi? Mais Maïdi, t'es... Mais chef, t'es dans la terre, là? Non, mais arrête d'être en mode à la cool. Il est fou, quoi. Bon. Elle a dit en tout cas qu'il doit avoir un endroit de pollution. Où ça? Là-bas. Là, ah, il y a un truc pour de la vie, là. Ah, mais il est en haut, c'est chaud. Ok, bah c'est pas grave. On va aller neutraliser l'endroit qui pollue. Les frères, je vais encore mourir 10 000 fois. Merde, mes écouteurs, enfin mon casque. Je vais encore mourir 10 000 fois. En plus, là, sachant que c'est deux niveaux de plus que moi, là. Oh, y'a là. Oh là là, regardez la fumée. Oh les humains. On va se les faire, ces humains. Hein. On va se les faire, là. Ah ouais, la végétation, elle est crade. Hein. Oh là 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 là, c'est dingue. Wesh, oh non, une ambiance apocalyptique. Bon, là, je pensais juste un tout droit. Mais bon. Ah, les bateaux arrivés, frère. Ah, c'est n'importe quoi, wesh. Guettez le bambou, guettez le... Waouh, en plus, il pleut, c'est vilain. Aucune verdure, que du gris. Y'a que ça qui est vert, là. Et d'ici demain, c'est gris aussi. Oh là, oh, pas mal, ça. Ça, c'est à récupérer, ça, on prend. Oh là là. Il va falloir que je trouve d'autres gousses de Dapophet. Tout ça! Action. Je vois des tours et des silos. Les gars, on va pas réussir.
Je commence à avoir faim. On va pas réussir. Tu commences à... Ah, t'as faim en plus? Merde, attends, bouge pas. Tiens, tiens, Mighty. Tiens, Mighty. Les gars, faut qu'on fasse tout ça en discrétion là. On va pas réussir. Mais on va pas réussir les frères là. Mais jamais on réussit là. Attendez, lui il s'arrête là. Ok, donc lui faut que je le tue déjà. Tiens, raclette déjà toi. Là, je cours là-haut. Ok. Ok, déjà un de fait. Ok, il se pose des questions, merde. Il se pose des questions, faut que je décale. Là, je me cache. Du coup, parce qu'il y en a un qui va revenir. Maintenant, faut que j'aille désactiver un là-bas et un là-bas. Les frères, je vais faire ça en discrétion, en fois 1000. Ok. On va bien contrôler doucement. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils ont des tourelles de missiles. Les gars, c'est mort pour moi là, on va perdre là. Si je saute derrière. Arrête, arrête, ça vient de commencer. Laisse-moi tranquille. Soigné. Faut aller où, faut aller où, faut aller où? Wesh. Non, c'est pas possible. C'est pas possible de faire la mission. Impossible. J'ai pas le niveau. C'est impossible les frères, j'ai pas le niveau. Non. On a le tour, je coupe tout. J'essaie une dernière fois, si je meurs, c'est mort. Complexe d'extraction gazier. Tu vas devoir t'intéresser de près au tour et à l'unité de stockage de gaz. Wesh! Wesh! Non, les frères, on fait pas cette mission. On va changer. On va trouver une petite mission plus utile. Hein. Celle-là, on n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau. Dans la vie, pour la meilleure défense, c'est la défense. Voilà. On va faire la quête de niveau 3. Hein. C'est pas mal. Elle est où cette quête là? Faut aller où? Faut aller où pour cette quête là? Faut aller là. On peut pas faire un voyage rapide là? On peut pas faire un voyage rapide là? On va faire la voyage rapide. Non les frères, j'ai abandonné la mission. Non, faut pas abuser. Ah non, faut pas abuser, wesh. On a dit faire des missions, etc. Non, là c'était trop là. Là c'est trop là. Un autre complexe d'extraction. On va faire la mission de nuit. Fouilleuse au camp de merveille à traverser la rue. Ok. Là, on va faire une mission niveau 4. Voilà, faut pas abuser. On va faire étape par étape dans le jeu. Avant de se faire allumer là. Oh non, je suis arrivé. Coup de missile, mitraillette. Déjà, dommage, j'ai pas un petit gang avec moi. Ça aurait été lourd en vrai d'avoir un petit gang. C'est quoi ça? Ah bah, je prends ma sacoche, j'ai plein de médical. Ouais. Ça aurait été vraiment cool d'avoir un petit gang. Mais bon, comme on est finito, hein. Non, vous avez... En fait, c'est ça quand tu te crois plus fort que. que ce que tu peux faire. Je me suis dit, ouais, niveau 5. Easy. Allez hop. Le jeu, il m'a bien mis revite à la réalité. Il m'a bien ramené à la réalité, pardon. J'ai bugué, hein. Ouais, il faut voir. Donc là, c'est quoi la mission? Le chasseur méconnu. Localiser le site de crash mentionné par Alemoon. Ok, donc là, il y a eu un crash, il faut qu'on aille voir ça. Mais pourquoi là c'est pas vert là? Pourquoi ça m'a l'air un peu chelou là? Il y a encore une fourreuse? Non, je crois juste qu'il pleut. Hein. Sa patrouille de la forêt soyeuse commence au camp de la merveille de Tisseur. Ok. Je pense que ça doit être là. Hein. Elle a vu de la fumée émaner d'un site de construction dans les collines. Oh purée. Ça c'est encore les humains ça. Les humains ils veulent pas notre bien. Hein. Moi je vous l'ai dit. Laisse-moi sauter là. Hop les. Wesh, mais c'est loin wesh. Oh là là! J'allais canner de zinzin. On va passer par en haut. Sans tomber, Evan. Ok, parfait. Je commence un peu à manier le jeu. Bon, on va juste foncer, hein, écoute. On va juste foncer tout droit. Voilà, c'est bon, ok, super. Oh là là, je me suis fait mal. C'est où là? C'est encore loin wesh? Ah c'est là, ok. Y'a pas de méchant ici? Ok, parler à Aleum sur le site de construction. Echo, ok. Hey, par ici.
Regarde cet endroit. Bon, allez. Voilà une autre de leur maudite création. Et Neyan voulait que je reste sans rien faire. C'était comme ça quand tu es arrivé? Tu parles des corps qui sont là? Certains sont de mon fait, d'autres non. Quelqu'un les est a venu tous butés. Avant nous. Leur machine volante n'est pas là. Mais nous devrions d'abord découvrir ce qui s'est passé ici. Ah, je crois qu'il faut que je fasse l'enquêteur. Hein. C'est parti. Ah merde, j'ai oublié de mettre ma cam. C'est parti, je fais l'enquêteur. Je me demande si... Si quoi? Bah fini, wesh. Depuis, c'est un ouf, il a parlé, il a arrêté d'un coup. Et on a chez éteint. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'arbre. Un avion de la RDA se fait attaquer en vol. Des pièces tombent du ciel. Ouais. Quelque chose percute cet arbre. Bonne déduction. On sait que ce n'était pas un accident. Ceux qui viennent du ciel ont été forcés de descendre. Ouais. Très bonne déduction. Ah oui, il y a aussi quelqu'un qui m'a dit que le son n'était pas assez fort. Les frères, mettez votre son à fond. C'est le son du jeu, je peux pas mettre plus haut que ça. L'ordinateur, là, il y a un PC. Bah, je peux pas jouer à Valorant, je peux pas, je sais pas. Wesh. Peut-être lié à... Ça s'est battu au lance-grenade, wesh. En fait, j'arrive pas à fouiller l'ordi, wesh. Ah oui, je dois scanner, bah oui, évidemment. Voilà. Oh là là. Haut, bas, gauche, 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 bas, gauche, haut, haut. C'est faux, c'était en bas. Bas, gauche, bas, gauche, haut, gauche, bas, gauche, droite, gauche. Enfin, voilà, tout faire. C'est bon. Quelqu'un me reçoit? Répondez. C'est moi. Écoutez, on sait déjà que l'avion est foutu. Et on sait que vous vous êtes fait botter le cul par un avis. Bravo. Des renforts arrivent pour vous aider à sécuriser l'avion. Non, il y a des renforts qui arrivent. Et essayez de pas tout gâcher. Il y a des renforts qui vont arriver. Ça au moins on le sait du coup. Maïji, il y a des renforts qui arrivent. Hein. Ça on a vu. Et pas on a vu. Petite vanne. Petite vanne. Je ne pense pas que ce soit ça. Je ne pense pas que ce soit ça. C'est quoi ça? Le chasseur appelle son Ikran. La RDA le voit, essaye de le tuer. L'Ikran ouais. Et le chasseur s'envolent rapidement. Ouais. Si quelque chose a pu abattre une machine de ceux qui viennent du ciel, c'est bien un Ikran. Ok, ça avance. Il me manque encore deux éléments ou un dernier. Du coup, les corps. Je me demande si... Tu te demandes si... Ok, je vais aller vérifier un peu partout. Là, y'a rien. Non, là, c'est pour monter. Je vois pas, ça peut être quoi, hein. Un chevaucheur, bah ouais, il s'est enfui, mais ensuite... Ici, il y a des traces ou pas? Peut-être pas maintenant. Bah si, c'est ça. C'est peut-être lié à... Et ça, c'est lié à quoi? Au lance-roquette, justement. Ok, on peut plus le voir. Est-ce que ça, on peut l'avoir ou pas? Non, non plus. Là! La lance. Un chasseur Aranae. Expérimenté. Utilise sa lance pour causer une explosion et tuer plusieurs soldats. Exactement. Il a fait bonne déduction, Sherlock. Il voulait détruire ce que faisaient ceux qui viennent du ciel ici. Je crois que nous avons terminé. Voilà, je suis un crack. Parlez de vos découvertes à Aleum. Elle se trouve au site de construction de déco. Bah oui, elle est juste devant moi. Allez, je vais en parler un petit peu là. J'aurais aimé que Neyan voit ça. Qu'il voit comment un chasseur agit au lieu de faire l'intéressant. On dirait qu'il comptait bien arrêter la construction. Il s'est même attaqué à cet avion. Les Sautoutés n'abandonneraient pas si facilement ce site. Je dois prévenir les autres. Et Neyan, ils ne s'arrêteront pas là. Le reste de l'avion doit être proche d'ici. Je sens une odeur. Non mais comme je suis un chien tu maintenant... Tu as déjà combattu ceux qui viennent du ciel, non? Je te souhaite bonne chance. Merci, merci. Même si tu n'en as pas besoin. Elle connaît déjà le bouquet, elle sait que j'ai pas besoin de chance. Elle sait déjà, elle connaît. Elle connaît déjà. Suivre l'odeur du carburant. En plus, j'ai le nez bouché, madame, ça marche pas. Ça marche pas. Attends. Je sens l'odeur. C'est par là. J'ai même pas besoin d'activer mon sens. J'ai même pas besoin d'activer mon sens navi. C'est bon, l'odeur, elle est par là. Non, parce que maintenant, je suis plus un navi, je suis un chien. C'est plus Avatar, maintenant, c'est Bulldog, le jeu. Il s'appelle comme... Le jeu s'appelle comme ça, maintenant. Allez, go. Appelé.
Allez, c'est parti. Oh là là. Quand tu vois des petits trucs rouges là, tu sais, tu c'est déjà que tu vas mourir en fait. Oh purée. Ouais, mais je me disais que c'était tout fade. Bon. Les voilà. Les frères. Je vais vous montrer que je me suis vraiment amélioré. Allez hop. Moins un. Et lui, il le guette un. Bon ! Raclette, je t'ai dit, regarde comment ils sont cramés. Voilà les frères, c'était vite. Renfort. Donc comment ça, il y a des renforts ? Putain, ça veut dire. Mais s'il y a des renforts, ça veut dire que ça va arriver ? Où ça, wesh ? Wesh ! Oh là là ! Non, 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 j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. J'en ai plus, faut que je fabrique. Fabrique. Fais-en, oui. Bien joué. Tiens, jette ça là. Explose. Bien joué. Derrière moi. Ah non, c'est faux, il était là. Tiens. Je me soigne toi, non. Ça commence. Non, mais ça commence. Ça commence. Ils m'ont mis où là? Arrête, me dis pas, je dois tout refaire, wesh. Wesh, pourquoi ils m'ont mis loin comme ça, derrière, wesh. Vas-y, frère, ils m'ont goumé en plus. Trop la rage, wesh. Oh non, ils m'ont fait spawn grave loin, wesh. Ils abusent, wesh. Mais attends, ils m'ont fait spawn où, wesh? Wesh! Mais fallait que j'aille là, ils m'ont fait spawn dans la montagne. Mais c'est des barjots. Ah, mais non, mais. Ah oui, mais je dois pas aller là-bas, moi. Je dois suivre l'odeur. Ah mais je comprends plus rien, je sais pas où je dois aller. Je vais aller tout droit, hein, mais là je comprends vraiment plus où je dois aller. Après ils me disent de suivre l'odeur, mais le pont il est là-bas. Donc Belex doit aller là-bas, je sais pas, on va voir. On va découvrir ça en même temps. Hein. Ok, c'est là. Bah oui, bah là c'est le site du départ, putain. Ce jeu va m'énerver. Bon. Comme je suis un chien, c'est parti, allez. Allez. Voilà, déjà pourquoi j'entends un hélicoptère? Wesh! Les renforts ils sont déjà là en mode. Abuse frère, il y en a 12 000 wesh. Il y en a 5! Non, les gars wesh. Les voilà. Le pire, c'est qu'ils me remettent bas de loin. Ah, ça me fout la rage, gros. Ouais, c'est quoi ça, wesh? J'ai des grenades. Oh non, je savais pas. La T-Dom, je savais pas que j'avais des grenades. Je vais les éteindre, c'est bon, ça y est. Ça y est. Mais en fait, j'ai à peine posé. En fait, les grenades, faut pas que je les jette sur eux. Faut que je les jette devant eux. Comme ça, dès qu'ils marchent, ça explose. Ok, là, il n'y a pas encore les renforts. Mais quand il y a... Ok, bon, en fait, c'est la merde quand il n'y a pas encore les renforts. Les voilà. On peut pas juste bombarder leur arbre. Ils attaquent le vase. Ça suffit comme ça. Mais comment il a un shoot comme ça, wesh? Mais comment il a un shoot comme ça, wesh? Déjà, regarde, les renforts, ils vont arriver là. Oh non, s'ils arrivent pas là, c'est un glitch. Arrête, il y aura un mec qui va arriver derrière. Donc je pré-shot. Il y a un mec qui va aussi partir là. Donc je pré-shot. Et là-bas aussi. Tiens, explosez tout. Allez, casse-toi toi. Casse-toi aussi. Et toi tu viens ici, t'exploses. Viens là. Et bah tiens, grenade. Je vous ai dit, les gars. Vous voulez pas m'écouter? Guettez les hops comment je les ai éteints les frères. Je les ai tués les hops, ma gueule. Oh là 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 là. Voilà. Là je peux fouiller là. Donne-moi tout ça. Wesh. C'est quoi ça? Ah c'est bloqué. Parler à Aléoum. Attends, faut que je retourne lui parler là? Et ça je fais comment ça? Je peux pas l'exploser ça? Si je mets un chassé dedans. Non je peux pas wesh.
parler à eux, espace commun de leur maison. Quoi, faut que j'aille jusqu'à la maison, là, ils abusent, wesh. Ah, je peux me téléporter, ok, Dieu merci. Mais attends, mais c'est tout, là? Vraiment? Là, je peux... Ah, peut-être avec ça, non? Ah, voilà, bah ouais, Dieu merci, je suis intelligent, les frères. Ok, alors, ça, c'est en bas, après, tu vas en haut, en haut, en haut, en haut, et après, tu redescends. Easy. J'espère qu'il y a un truc de ouf dedans. Fusil à pompe. Il est où? Non, 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 il est où? 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 Il est où le fusil là? Il est où le fusil? Alors toi, équipé, mais tout de suite. Allez, fusil à pompe. Oui, oui, oui. Non, requiert la compétence préparation efficace dans les souvenirs. Ah oui, pour avoir ça, ok. Ok, donc là, c'est-à-dire que j'ai un fusil à pompe là. Bon, le son il est en décalé comme d'habitude, mais. Oh là 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 là. Arrive! Bon! Tu tires sur le moto! Non, c'est bon les gars. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est mort pour eux, c'est mort pour eux. Bon, on va directement se TP là-bas. On va pas perdre plus de temps que ça. Ah là là. Fusil à pompe. Non, franchement, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Ok, alors. Là, faut que j'aille voir la dame là. Elles sont où, wesh? Ah, elles sont là. On va aller voir Allez Moon et Neyan. Ah, faut que je mange. Oulala. Voilà, que ça, je suis à 100%. Elles sont où, wesh? C'est vous? Ouais, si, c'est eux. Te revoilà. Je coupe la cam. Qu'as-tu trouvé? La RDA s'était rassemblée autour de l'avion. Je les ai fait fuir. C'est l'un des nôtres qui a abattu cet avion. Il a bien fait. De ouf. Il comprend ce que nous traversons. Tu as vu? Oui, je vois plus que ce que tu crois. Je te vois, Neyan. J'étais seulement parti en éclaireur sur mon chemin habituel. Puis, il y a eu ce bruit. Cet horrible bruit métallique. Ah, les humains, les avions. On s'en a fait qu'un tour. J'étais obligé d'aller voir. Mais ils m'ont découvert. Et j'ai dû m'enfuir. C'était toi? C'est toi qui as abattu leur avion? Ok, ça annonce du bon, ça annonce du mauvais, il y a un peu de tout. On est monté niveau 4, à ce que je vois. Corde de chasse de Neyland, arc long. Ok, du coup je dois fabriquer avec, non? Donc là du coup j'ai 2 points de compétence. Ah non, j'en ai 4, j'ai 4 points de compétence. Je suis déjà niveau... Ah, je suis monté niveau 5 d'un coup, wesh. Putain, lourd, wesh. Bah poteau, on va améliorer les vies, parce que dans ce jeu, les vies... Quoi? Résistance au feu, au poison, ok. Ça c'est lourd. Les dégâts aussi, faut améliorer. Hein. Oh là là, parce que là, on fait pas de dégâts. Hein. Débloquer un 4e emplacement dans les armes. Exactement. Voilà. Vos dégâts augmentent de... Ok, bah super. Super de ouf. Là, je peux toujours rien améliorer, frère. L'instinct. C'est des rats, ouais, je comprends pas. Est-ce que s'il y a quelqu'un dans les commentaires, il peut m'expliquer pour les compétences d'ancêtres? J'ai toujours pas capté. En tout cas, mon arc, là, du coup, je peux l'édite. T'es fou, je parle comme un gros puant. Du coup, j'ai l'arbre. Attends, mais dans mon sac. C'est où mon sac? C'est là, sacoche. Mais ça, je peux pas l'utiliser pour avec un arc, genre. Parce que mon arc de base, il fait quoi? Il fait 32 de dégâts, flèche empoisonnée. Voir. Et comment je fais pour ajouter d'autres. Ah, j'en ai. Ok, là, je l'améliore du coup. Ok, et comment je fais pour ajouter du coup. Là, le truc qui m'a passé ça, là. Merde, mais je l'ai déposé où? Je l'ai déposé où, wesh? Bah ouais, j'ai déposé par terre, je suis un ouf. Je suis un fou. Tout reprendre, ok super. Corde, ok super. Bah carré, wesh. Bah ça veut dire là, la mission, le truc de mission 5, on peut grave aller le faire. On peut grave y aller en fait. Et je pense que c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est grave ce qu'on va faire tout de suite en fait. Hein? Le truc de mission 5, qu'on pouvait pas là. Les frères, on revient méchant. Vous avez vu, au début de l'épisode, on galérait, on était niveau 3, ça m'était de mal, non, mais comme ça. Je mourrais comme ça. Là, poteau, c'est mort. As-tu rencontré notre autre invité? Tais-toi, là, je suis en mission, me parle pas. Je suis en mission. Là, ça sert à rien de me parler. Je vais les éteindre. Les gars, je vais les éteindre. Qui sait comment on fait pour avoir de la vie? Comment je fais pour avoir des barres de vie en bas, là? Ça, on sait déjà, c'est pas bon. Voilà, on avait ski. Les frères, je vais tellement les éteindre, là. Hein? Ça veut polluer mon air, les humains, hein? Moi, je suis un avis, maintenant.
Moi, je suis un Navi. Ça va être ça maintenant. Tous ceux qui sont là dans les commentaires, mettez hashtag Navi. Arrête, vous mettez votre blase. Ça veut dire que si tu t'appelles Thibaut, tu mets hashtag Navi Thibaut. Non, sans le hashtag, juste le Navi Thibaut, c'est ça. Ils sont où les Ops là? Oula, j'avoue, ils sont beaucoup. Ah oui, oula, j'avais oublié. Alors lui déjà, il a graissé sa tête, hein. Lui là. Je rigole, la tête d'homme, je rigole. Pardon. La tête d'homme, je rigole. C'est bon. La tête d'homme, je rigole, wesh. J'ai plus de balles. Eh, tu sais quoi, t'es mort de toute façon. Tiens, t'es mort. Encore. Sale chien, va. Bon. Lui, il m'a fait perdre un peu beaucoup de vie, c'est pas grave. Merde. Comment ça, des renforts arrivent? Ah, ils ont sonné l'alarme, là? J'entends le bruit d'un hélico? Mais les gars, je rigolais, wesh! Wesh! Mais ça rafale illimité? Mais la mission est impossible! À part si je suis Hulk! Besoin de Dapophet. Mais attends, mais c'est quoi cette mission là? D'extraction gazier. C'est quoi cette mission de loubar là? Tu vas devoir t'intéresser de près au tour et à l'unité de stockage de gaz. Ok, donc en fait, faut que j'utilise le nouvel outil qu'ils m'ont passé. Si je veux gagner, je suis obligé. Là, je vais passer en discrétion sous ça, là. Déjà, on va aller faire le premier qu'on avait fait, là, comme au début, là. Rappel à l'ensemble du personnel de la base. Signalez-le, la vie dans cette zone. Ne relâchez pas votre garde. Comment il sait où je suis, frère? Moi, c'est ça, je comprends pas, en fait. Ok, un mort déjà, ok. Ça va être trop galère en fait de tous les fumer, frère. Un mort encore. Là-bas, si ça arrive, je mets ça. Du coup, ce qui vient là. Bah, faut que je les allume, frère. Photo, et je vais juste aller leur mettre des patates, hein. Wesh, pourquoi ils font mal comme ça? Bah, c'est ça, je comprends pas en fait leurs dégâts, wesh. Tiens, raclette. Ferme ta bouche. Tirer. Ok, super. Y'a qui arrive là? C'est où qu'on me tire dessus? Ok, après ils sont tous à l'intérieur, donc. Ah, mais s'ils peuvent tirer à travers ma gueule, wesh. Mets ça là-bas. Faut encore que j'en fasse, j'en ai pas assez. Je peux plus en faire, putain. Ah, mais là je peux pas rentrer, wesh. Ok, j'ai capté. Il aurait fallu que je fasse tout le tour. Ok, j'ai capté, les gars. Je vais juste vesquer le combat. Je vais un peu fuir et faire le tour. Puis j'ai plus de flèches, putain. Ok. Ah, si ça, là, ça me voit, par contre, je suis dans la merde. Je vais juste faire le tour, hein. Ça, j'avoue, c'est chaud. Ça, j'avoue, c'est relou. Ouais, j'ai pas touché, là? Ok, lourd, j'ai déjà un de moins. Ok. Là, faut que je puisse aller là. Pitié, dis-moi, stop. Ok. Mais poteau, il y en a 12. Je vais mettre une bombe. Oh, c'est pas possible. Les frères, c'est pas possible tout ce qu'il y a. Comment tu veux survivre là, tout ça là? Ils sont en train de tirer sur qui là? Comment je rentre, wesh? Ah, il y en a un dessus, c'est pour ça. Mais c'est pas possible cette mission. Ah, toi, il y a écrit quoi?
Détruisez les installations de la RDA discrètement en utilisant le site pour en pirater les points faibles. Ah ! Bah oui, depuis tout à l'heure, je veux faire le bourrin ! Ça va faire en discret, c'est logique ! Un autre complexe d'extraction gazier. Est-ce que je peux pirater ça? Non, je peux pas pirater ça. Attends, je me cache. Ok, je vais essayer de pirater. Putain, il est trop loin maintenant. Il est trop loin, putain. Ok, je vais attendre qu'il arrive. Bon, c'est pas grave. On va parler d'autre chose pour changer. Je vais mettre une patate, lui. Attention. Patate, direct. L'eau. Ok, donc là, si je... est-ce que je peux faire ça? Je peux faire ça à distance, normalement. Putain, s'il me voit, là, je suis dans la merde, par contre. Ok, c'est bon. Donc lui, il s'est relié à quoi, là? Donc là, je peux le tirer, normalement, non? Je sais pas si ça va changer quelque chose. Lui, je lui ai mis une raclette. Lui, je peux pas le truc, là. Lui, en fait, je le contrôle, mais après, ça fait quoi? Ok, parcourir vite, faut vite que je fasse ça vite avant qu'il me voie. Tac, 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 droite, gauche, en haut, droite. C'est bon. Stocker le piratage. Je le stocke. Comme ça, il y en a déjà un qui est piraté. Maintenant, lui, faut que je le fasse. Ok, c'est parti. Go, 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 vite. En haut, tac, tac, tac. Et après, je vais faire les piratages en même temps. C'est parti. Là, les deux, ils sont piratés. Mais j'ai pas compris comment je les tape là. Wesh, mais attends, mais là je comprends pas. Mais j'ai fait tout ça pour rien, je comprends plus, frère. Oh non, je comprends plus, ma gueule, wesh. Ça sert à quoi de faire ça discrètement, wesh? Il faut d'autres gousses de Tapofet. Wesh, gros, je peux pas tout pirater là, wesh. Putain, frère, c'est pas possible. En plus, je fais la taille de je sais pas quoi. Je fais la taille d'un géant, ma gueule. La visibilité est mauvaise. C'est vigilant. Faites attention à vous. Qui m'a vu? Allez, vas-y, tue-moi. Tu sais quoi? Vas-y, tue-moi. Eh, au montage, tu couperas, tu laisseras juste deux moments où j'ai raté, après tu mets les moments où j'ai réussi, frère. Mais regarde quand même s'il y a des moments intéressants où tu fais une petite compilation de 30 secondes vite fait. La tête d'homme, c'est trop. Frère. Oh non, je vais speedrun là. Là, c'est... Je sais pas ça sert à quoi ce que je fais, gros. Là, normalement, personne m'a vu. Arrêtez de mentir. Toi, je vais te pirater. Arrête, je te pirate. D'autres gousses de Tapofet. C'est pas possible, ma gueule. Yeah.
Ah bah oui, comme ils arrivent à me viser alors que je suis loin, c'est bien. Mais comment des renforts? Putain, je peux pas sauter par là, quoi. Je peux pas sauter par là, gros. Qu'est-ce par là je dois passer? Ok. Il y en reste un, il loue le deuxième, il est là, non? Ah, ça zoom quand il y a un truc à faire, ok. Tourner, ok, super, c'est bon. Ok, ok, c'est bon. Et l'autre, il est là-bas. Donc là, je vais aller là. Je vais sauter sur le gaz et je vais passer avec le fil là. Là, je vais monter discrètement ici. Et je vais courir jusqu'à l'autre bout. Ok, là, je vais sauter. Là, j'atterris là. Et ça, je le pirate. Et ça, je le baisse maintenant. Et normalement, j'ai fini. Let's go! Let's go! C'est bon! Sortez de là, les humains! Évacuation en cours! Évacuation en cours! C'est trop bon! Putain! Essaye de mettre une fois où j'ai raté et une petite compilation de 30 secondes. Comme ça, ça dure pas longtemps. Et tu mets le moment où j'ai réussi. Enfin! Je vous laisse la cinématique, les gars. Yes! J'ai trop galéré, wesh. La forêt se régénère. C'est bon. Je dois trouver ce nectar. Voilà! La forêt, reviens à ton prime, la forêt, s'il te plaît, la forêt. Voilà, il y a de la couleur! Voilà, ces humains, là! Allez, hey, je vais tout pirater. Oh non, je vais tout pirater, wesh. Bah ouais. Pourquoi ça bloque? Ah, je vais prendre la clé. Ok. Là, il y a un temps. Ok, là, du coup, après, je vais là. Ok, super. Pitch, donne-moi un truc bien. Fusil à pompe, combattant, guérilla. Ok, super. Frein, bouche. Ah ouais, j'ai des vrais trucs. Lourd, lourd de ouf. Lourd de zinzin. Il y a plein de caisses, autant tout fouiller, les gars. Pièces détachées, c'est parfait. L'inventaire est plein bas, j'ai trop de trucs là, ok. Bah, on va se casser de là. Hein. Voilà! Je suis un Navi, les frères. Je suis l'entier Navi. Purée! C'est où je dois aller là? Là-bas? Bah, go, direct. Enfin! Là, la forêt, maintenant, elle devient belle. Bon, là, elle est un peu vilaine, quoi, mais... Elle redevient belle petit à petit. Guettez le soleil, il est tout content. Ça faisait 5 ans, ils n'avaient pas vu le soleil, ici. Oh non, jusqu'à quand ils l'ont vu, ils ont dit, waouh, Elle se raconte de la merde, mais enfin, il y a le soleil, wesh. Vraiment, enfin, il y a le soleil. Rien de tel que les bruits de la forêt. Pour apaiser un esprit tourmenté. Ah mais oui, mais qui parle là? Bon, je sais pas qui parle, mais en tout cas, t'as raison. Voilà. Ça, c'est de la... Hein, ça, c'est du Navi, ça, les frères. Et je ne veux pas de votre... Et je ne veux pas de ton avis. Hein? T'as capté? Oh là 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 là. En plus, je fais des jeux de mots. Je suis quoi? Je suis Navi ou rappeur? Bon, on va foncer quand même, là. Voilà, guettez comment je saute en plus. Pa. Et là, si j'atterris dans l'eau, normalement, c'est mon prime. Moi, je me suis un peu cassé une côte. Une jambe, il y a moyen. Alors, récolter du nectar des ruches des marais pour préparer, utiliser le guide de chasseur pour trouver. Wesh, il y a quoi dans cet arbre là? Pourquoi ça me met cet arbre? Ok, bah moi, faut que j'aille dans le guide des chasseurs. À côté du nectar de la ruche des marais. Ah bah c'est ça le nectar de la ruche des marais, c'est là. Épinglé. Meilleure qualité le jour. Se trouve souvent dans les biomes de terre marécageuse. Alors. Se trouve souvent dans les biomes de terre marais. De la forêt soyeuse et de la forêt des Kinglor. Ok. Là je suis dans quelle forêt là? Bah j'y suis wesh. Forêt soyeuse. Bah j'y suis de ouf. C'est ça? C'est ça non? Si c'est ça, je suis un crack hein. C'est ça ou pas?
Ah non, ça c'est des algues, frère. C'est juste des algues. Ah, mais il commence à faire nuit, putain, dommage. Fallait que je récolte ça le jour, en vrai de vrai. J'aurais dû récolter ça le jour. Ah, c'est là, 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 il y a une ruche. Je suis trop petit, wesh. Sauf si je la tape. Donc, je peux pas la taper, là. Peut-être si je tire une flèche dessus, je sais pas. Non. Bah, ils sont marrants, je la récupère comment, ça, wesh? Et il y en a pas d'autres, du coup? Attends, j'ai essayé de monter dessus, genre. Enfin, de monter sur le... sur la branche, là. Bah non, mais ça sert à rien, frère. Bah non, je peux pas récupérer, wesh. Mais ils abusent, wesh. J'ai essayé d'en trouver d'autres. Mais ils abusent quand même, wesh. Alors. Là, il y en a une, mais je peux pas la prendre. Là, il y en a une autre, il y en a une autre, là. Celle-là, normalement, elle est à ma taille. Super. Super. Je l'ai. Enfin. Wesh, wesh, wesh. Je me fais attaquer, wesh. Qui parle là? Qui parle? Ouah, c'est beau. Alors toi, lui les frères, il est pour nous, hein. On est habitué. Il a fui. C'est pas grave, il a fui. On est juste finito, les frères. Bon, là faut qu'on aille lui rapporter des bails là. On va aller, hein. Quand je vais lui raconter à, hein, à Ewa là. Quand je vais lui montrer mon fusil à pompe, hein, on va voir si ça va continuer à me respecter. Là je vous ai dit, hein. Là, je vous ai dit, frère. Là, je suis devenu méchant. J'ai capté le jeu. J'ai capté la mécanique du jeu. Soit ça fait sauter. C'est bien faux. Alors. Ah oui, c'est encore tout là-bas. Bah, écoute, on va courir, hein. Lui, il est pour nous. Il est pour nous. Il est pour nous. Lui, là, il est pour nous. Mais, frère. Lui, il est pour nous, là. Ça, c'est pour vous montrer que dans l'épisode 2, on a fait du sale. Voilà. Bah ouais, les gars. Médiocre. Ah, t'es pas bon, toi. Wesh, moi, il est... wesh, wesh, moi, il est dégueulasse comme ça, wesh. Oh non, je suis en train de perdre des vies. Ah, les poches en bas, là. Pour mes vies, là. Même, il m'en reste deux. Et eh ben, c'est ça. D'accord. Je viens de capter. Wow, en tout cas, ici, c'est beau. Hein. Wesh, mais deux... poto, c'est le moment de tester mon fusil à pompe, hein. Tiens, viens là, viens. Bon. Ah, une balle, il meurt. Toi aussi, bah, t'es où? Wesh, ils sont combien, wesh? Pardon. Oh non, ils étaient 5000. Pardon. C'est bon, j'arrête. I'm sorry. Vas-y, go. C'est bon, j'arrive, Ewa. Ah, il y a un truc pour ma vie. Là. Ici. Il doit être là-bas. Ouais, maintenant il est plus vers là. Vers la gauche. Exactement au milieu, il est le truc. Merde, je me suis pris l'arbre. Il est exactement là. Et il vient de se passer quelque chose d'étrange. Étrange comment? Eh ben, je fais un peu de maintenance. Le système de filtration me donne du fil à reprendre. T'as vu que quand... Priya, le truc étrange. Ah oui, pardon. Yeah, c'est bon. J'ai essayé d'attraper un outil qui était trop haut. Et là, l'un des bras, il dit, je vais m'en occuper. Et il me le donne. Tu lui as dit quoi? Allez, cinématique. Espérons que ça marche. L'espoir est la seule chose qu'il nous reste, Mayantu. As-tu apporté le nectar? Bah ouais, j'ai fait de nombreux trucs, hein, pour ton nectar, hein. J'espère qu'il est sans pulpe. Ewa nous a apporté le cœur. Ça ne va pas durer longtemps si Kanat découvre notre plan. Attends, mais là c'est une secte, là, qu'on Est-ce fait, que là. Ça va faire mal? Non. Ewa, nous accueillons ton étreinte chaleureuse. Et nous nous lions à tout être vivant à travers... Guide son esprit et emmène-le jusqu'au cœur du nid. Ok. Un nid de Kinglore. Wow. Oh, la reine. Pas l'arbre maison. Est-ce que je remets ma cam ou pas? Elle essaie de me montrer quelque chose. C'est quoi ça, le truc qui me suit, là? Attends.
Waouh. Les frères, j'enlève ma cam hein, pour que vous puissiez profiter. C'est magnifique. Oh. Elle veut rassembler les Kinglords. La reine les guide vers des... Ah mais je suis un oiseau aussi, je peux voler. J'avais pas compris ça. Oh. On peut pas aller. Peut-être si je descends par là. Non, par là aussi c'est bloqué. Peut-être je dois aller... Non, je dois juste regarder, je pense. C'est quoi? Ah ok, je vois pas c'est quoi. Hein. Par contre là, je vois pas ce que je dois faire. Aller en bas, je peux pas. Ah si, c'est bon, ok, je peux passer par là. Ok, super. Je remets ma cam après les BG. Trouver d'autres fleurs pour nourrir les Kinglords. Une vague d'énergie la perturbe. Elle le sent. Quoi ça? L'essaim est agité. Elle est confuse. Alors elle continue de voler. Ça, c'est la reine des Kinglords, hein? Ok. Wow, le jeu, il est magnifique, hein. Le détail de lumière. Toutes les fleurs et tout. Chose. Une vague d'énergie. Wesh! La reine, elle doit trouver les autres Kinglords. Guettez les installations, wesh! Une vague d'énergie. Ils ferment les fleurs dont ils se nourrissent. Les Kinglords ont faim. Ils sont angoissés. Je pense que je dois aller à droite. Purée, en tout cas, c'est trop bien, c'est trop bien fait. Hein. Qui menace les seins. Elle me montre les autres ballons. Ah, il y en a. Ah, ok, il y en a beaucoup. Elle envoie un signal au ballon. Les Kinglords sont faibles. Ok, je crois qu'il faudra les détruire. Trouver un endroit sûr avant que les seins ne meurent. Merde, ça avance tout seul. Ah non, c'est le vent. Ok, donc je crois qu'il faudra les détruire hein, du coup. Hein. Sein est faible. Bah ouais. On va aller à gauche, hein, non? J'aurais dû aller à droite peut-être. Ok, peut-être le même chemin. Ok. Merde, je dois aller là-bas. Bah oui, je suis une merde. Ok. Donc en gros, on a pu voir plein de trucs hein, en vrai. Hein. On a pu voir plein de trucs. On sait que la RDA, maintenant, ils ont des installations dans les airs aussi. Et que c'est à cause d'eux en fait. Attends, je vous laisse la cinématique encore, pardon. Merde, c'est. Mais pourquoi leur reine? Leur reine, c'est un pigeon. Ça se trouve, c'est moi, je suis juste bête, hein. Je pense que ça va. Mange ça. Tu as fait un long voyage. Que t'a montré la reine des Kinglords? J'ai vu la base des humains dominant la forêt. Elle envoie un signal aux appareils volants. C'est ça qui perturbe les fleurs et empêche les Kinglords de se nourrir. Eh bah oui. C'est pour ça qu'ils ont dû se réfugier dans l'arbre maison. Mais on ne peut atteindre ces appareils que depuis les airs. Je vais abattre ces appareils volants jusqu'au dernier. Ça suffira pas. Le signal vient d'une base de ceux qui viennent du ciel, près des colonnes de pierre. Mais je crois savoir comment désactiver les capteurs de ces appareils. Ouais, dis-nous. Alors tu vas devoir voler avec nous. Il te faudra un Ikran. Un Ikran est un honneur que seul Ka c'est le moment. Peut accorder. Et il refusera. Les Kinglords ont montré que les Sotoutés étaient à l'origine de tout cela. On aura un Ikran. Je vais rassembler les chasseurs. Leurs arcs nous aideront à sauver les Kinglords. Nefika te retrouvera à l'entrée de la volière. Il est temps de prendre ton envol, Mayantu. Eh oui! C'est le moment de voler! Nous nous retrouverons en hauteur près de la volière. Nos flèches seront implacables quand nous attaquerons ceux qui viennent du ciel. Ah là 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 là, oui, et enfin. Si je n'arrive pas à faire le lien. Ton honneur ne sera pas perdu, Mayantu. On chantera l'histoire de l'Ikran qui t'a fait tomber de la volière. Tu dois d'abord te lier à Eiwa. Elle te préparera à trouver ton Ikran. Oh là là, quel banger! Connecté. Ça fait quoi, connecté? Ok, là je me connecte. C'est tout? Ah, au moins je suis connecté, ok, super. Waouh! Ok, j'ai capté. Je vais juste essayer de sauter. Ah ben non, je peux pas, je suis en ouf. Alors, retrouve Nefika à l'entrée de la volière. Ok, là du coup, on va apprendre à voler. Faut qu'on aille tout là-bas. Ça a l'air super loin, de ouf. Y a pas un endroit qui peut me rapprocher. Ouais, je rapide, super. Ok, super. Juste un truc vite fait, les frères. Voilà, est-ce que tu peux les mettre deux à gauche, deux à droite, et moi me mettre au milieu? Et est-ce que tu peux prendre l'image que t'as pris pour la première miniature avatar, s'il te plaît. Tu prends la même et tu mets au milieu en tant que présentateur. Et au milieu, tu mets un espèce de VS en mode ils sont contre, du coup, les deux équipes. Donc, ok. Donc là, faut qu'on aille jusqu'à tout là-bas. On va apprendre à voler. Bah, c'est grave le thème de l'épisode en vrai. Hein. C'est vraiment le thème de l'épisode. Ah, il y a un truc de vie là. Ok, super.
Putain, je suis content, enfin. Si on arrive à voler dans les îles là, enfin entre les îles là, oh là là, quel banger. Ah, il y en a deux. Ah, il est là, c'est celui-là. Lourd de ouf. C'est quoi ça? Waouh! Attends, je recule, ça fait quoi? Ok, quand j'avance. Magnifique. Ah, par contre, ça, je perds de la vie. Ok. Voilà, de la vie en plus, c'est parfait. Allez, on va vite foncer, comme ça on aura un Ikran. Ça va être un banger. Putain, je suis content. Oh non, je suis content de fou, wesh. Parce que là, depuis, on se déplace à pied. Guettez mes jambes! Guettez les pieds de fou! J'avoue, j'ai des pieds, ils sont beaux un peu. Non, attends, je prends un petit... Non, les gars, c'est... En fait, c'est pas vraiment ce que vous croyez. C'est pour m'informer, en fait. C'est pour m'informer. Les gars, je ne vais jamais le répéter assez, hein, mais le jeu est incroyablement beau. Ah, il y a un autre truc encore. Il y en a un autre. Mais du coup, il est vers le bas. Hey, oui, un peu. Quoi? Priya, qu'est-ce que tu fais? Qui est là? Mais je sais que c'est toi. Mais non! Écoute, joue le jeu. Toc, toc. Qui est là? Toc, toc, qui est là? Tofu. Maintenant, tu dis Tofu. Tofu qui? Tofu quoi, là, à faire des blagues? T'as rien de mieux à faire? C'est pas drôle? Est-ce que t'es parti? Je t'écoute. Mais c'est pas marrant! C'est nul. Mais, c'est pas vrai. Mais elle est finito, Priya, wesh! Tu me soutiens? Ah, je suis éteint. Attendez, juste essayer d'augmenter l'audio, mais en fait, l'audio, il est à fond, frère. L'audio, il est tellement à fond que je peux même pas augmenter le son du jeu ou autre. Elle est super, Priya. C'est le meilleur jeu du toc-toc que j'ai jamais entendu. Ouais. Bon, d'accord. Je vais lui dire que t'as dit ça. Elle a fait une blague, c'était tellement nul. Toc-toc, qui est là? Tofu, tofu qui? Tofu quoi à faire des blagues? Non, j'ai rigolé à sa blague, putain, non. Je suis devenu finité aussi, putain, merde. Je crois qu'on va aller par là. Ça, j'aime trop passer dedans, c'est trop bien. Putain, il est passé avant moi, il a tout niqué. Ah, ma sacoche, elle est pleine. Waouh. Oh là, non. Les gars. Pardon, hein, mais je continue le let's play, hein, mais guettez. Pitié. J'ai la barre. Les gars, attendez, j'enlève ma cam, comme ça je vous fais un petit plan en mode méchant. Oh là là, n'est-ce pas beau? Est-ce que ce serait pas donc ça la vie en fait, les frères? C'est pas ça la vie, les frères, en vrai? Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, doucement! 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 J'ai dit que c'était magnifique! Eh poteau, tu sais quoi? Tiens, grenade sur toi, tiens, grenade, ferme ta bouche, allez hop. Ça lui a rien fait. Oh putain. C'est bon. Wesh. Oh non, ça lui avait rien fait. Qui est là? Viens, je peux t'aider. Non, je vais pas ton aide, laisse-moi tranquille là. Tu vas pas, je vais aller voler là. Oh là 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 là. Ikran, j'arrive. Waouh. Oh là là. Oh, je passe dedans. Hein. C'est magnifique, frère. C'est magnifique. J'ai rarement joué à un jeu aussi beau. Hein. Voilà. Et je pense que vous aussi, vous non plus. Voilà, vous non plus. On va assumer. C'est le plus beau jeu de tous les temps. Voilà. Non, voilà, j'assume. Non, pardon, j'assume. En tant que geek, j'ai joué à très bon nombre de jeux. Je vais vous dire que c'est... Il est vraiment top 3 et il est pas 3ème. Passer le temps près du feu en attendant l'arrivée de Nifika. Ah bah je vais passer le temps. Hein. On va voler. Nous pas dans les parages où nous allons nous faire prendre. Je dois aller là? C'est pas dangereux? Crois-tu vraiment que je t'enverrai à la mort? Allons. Et confiance, Mayan. C'est ce que tu m'as dit à propos de la piqûre de Kinglore. Ah. Tiens, j'utilisais ça avec Zomei. Puisses-tu tisser un lien comme le nôtre? Merci. Putain, Zomei, la pauvre, elle a cané épisode 1. Ou épisode 2, je sais plus. Oh,
Et Mayantu, nos chasseurs disent toujours ne regarde pas en bas. Je te conseille fort d'écouter leurs avis. Moi je vais regarder en bas, hein. Ah, moi je vais regarder en bas direct, hein. Je sais pas, il me parle de quoi là. Grimper dans la volière pour être choisi par un Ikran. Ah, c'est eux, me choisissent. Ok. Attendez, non. Ah, je crois que c'est là. Why. Je vais continuer à grimper, hein. C'est une catapulte? Oui! Non, j'ai rarement vu un jeu aussi beau, pardon. En fait, ça c'est le genre de jeu, je lève ma cam. Et je joue que comme ça, mais en fait, c'est nul. C'est nul, s'il n'y a pas ma cam, c'est nul, voilà. Moi, je suis pas un puant, vraiment. Ceux qui font des let's play sans cam, c'est des gros puants. Ça, c'est le genre de jeu, ils se lavent pas, du coup, ils veulent pas montrer qu'ils se lavent pas, donc ils mettent pas de cam. Là, faut que j'aille où? Ah, je me suis un peu trompé de chemin, je crois, non? Ou là, peut-être, non? Comment on passe là? Je tape? J'ai pas vu, il y avait marqué quoi? Dans ses bourges externes, sa chaîne de pression, sous l'effet de tir ou du tousser, elle se rétracte. Ouais, je l'ai touché là, wesh! Attends. La porte lisse se comporte d'une grande feuille reliée à un réseau de plus petits bourgeons. Quand ces bourgeons externes sentent une pression, ok. Ah, c'est ça là alors, du coup. C'est ça? Ah, c'est ça, pardon. Touché. Ah, il faut tous les casser, ok, pardon. Enfin, tous les toucher, du coup. Ok, super intéressant, de ouf. Bah, du coup, la fameuse catapulte. Ok, lourd. J'adore, de ouf. J'adore, de ouf. En fait, ce que j'aime bien dans ce genre de mission, c'est du coup, ils font exprès de te faire passer par plein de chemins pour monter la montagne pour que tu puisses découvrir à quel point le jeu il est beau. Mais ça, je dois le répéter depuis quoi, 6 épisodes. Je suis un menteur, il y en a que 3, je suis fini toi. Tu t'as pris si longtemps, j'ai été doucement pour toi. Tabou, j'arrive. Mais comment as-tu monté si vite? J'ai passé mon enfance à grimper ces montagnes, je les connais par cœur. Ouais, t'es un tricheur quoi. Alors, tu te sens mieux? Oh là là, je fais tomber. Mais mon esprit... Mais comment je monte là? Mighty, y a un souci, y a un bug là dans le jeu là, non? Mon gars, tu veux pas tendre ta main et m'aider? Est-ce que faut que je passe par où là? Faut que je passe par où là? J'ai pas compris. Peut-être par là si j'escalade. On va voir, hein. Je vais essayer de glitch le jeu. Oh, j'ai glitch. Et là, je saute là-bas. Oh, j'ai glitch. J'ai glitché le jeu, les frères. Elle semble un peu nerveuse. C'est à elle de décider si elle te choisit. Vas-y. Ok. Coucou! Hey! Nous nous sommes déjà rencontrés. Ça va? Ne t'inquiète pas. Aucun Ikran qui se respecte n'accepte la première fois. Continue. Montre-lui que tu es digne d'elle. Vas-y. Je l'espère. Mighty, je vais lui montrer. Ikran! Mighty, viens. Je vais lui montrer que je suis digne d'un Ikran. Oh là là! La tête de homme, c'est une dinguerie. C'est trop une dinguerie, le jeu. C'est trop une dinguerie. Oh là là! C'est vraiment trop une dinguerie. Eh, hey, Priya, on ne devinera jamais où je suis en ce moment. Les Aranahé ne t'ont pas fait bouillir dans une de leurs cuves, hein? Pas du tout. J'escalade la volière des Ikran pour être choisi. Du moins, j'espère. Tu m'aides pas vraiment là. C'est magnifique. Il va parler à Nord, il va adorer ça. Attends, je dois prendre un marche-pied. Ikran ! Faut que j'aille là, non ? Ok. Ah, j'avoue, si tu tombes, c'est chaud, hein. Parce qu'on rigole, mais en vrai. J'avoue que si tu tombes là. Là, je fais. Déjà, là, je fais tout ça, ça veut dire que je suis digne, déjà. Oh. Là, faut courir et s'accrocher ? Non. Oh là là! Mais le jeu est trop bien! C'est magnifique. Par contre, je sais pas où... Ikran? Je sais pas où il est en vrai. Là, je fais que monter, mais... Ok, là, si je saute dessus, je rebondis, non? Ok, lourd. Ok. Donc là, faut que je tape sur les bougeons. Ah, attends, c'est relié à où? C'est relié à où, wesh? Ouais, ça continue. Ah, donc c'est là, ok. Ok, il y en a déjà un qui est ouvert. Et le deuxième, je sais pas où il est, par contre. Il est par là. Ah, bah il est au début où j'étais alors. Il est où, wesh? Ah, il est là. C'est bon, normalement. Hop les. Bah ouais, c'est bon, non? Il y a quoi d'autre encore, wesh? Ah, il y en a un là.
Ouais, mais en fait, y'en a full up, gros. C'est quoi ça? Touché. Voilà. Oulala. J'arrive. Oh là là. Mes frères Ikran, j'arrive. Putain, je suis vraiment en train d'escalader les îles et tout. Oh là 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 là. Papa, papa, j'ai le barreau de zinzin. Wesh. 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 Les frères, je suis obligé de screen en fait. Enfin, de screen, de prendre en vidéo. Bon, allez, on continue. Allez. En plus, avec l'OST et tout. Non, c'est magnifique, wesh. C'est vraiment magnifique. C'est vrai. Tu vas te lier à un éclave. J'espère être choisi. Ce lien est pur. Vierge de tout contact humain. Je vais essayer de glitch un peu. Attendez, je vais voir si ça marche. Ça m'a un peu trop humain. Ouais, ça marche, ça marche. J'utilise même un instrument humain pour parler avec toi. Eh bah, à la guerre comme à la guerre, non? Je sais pas comment je peux aller plus haut. Ouais, ça c'est sûr, faut pas tomber. Je pense qu'il faut que je saute, hein. Voilà, là il y a une catapulte qui va me projeter derrière ou devant. Devant. Oh là là. Ouah, non, c'est trop, wesh. C'est vraiment trop de la dinguerie, le jeu, là. Allez, go, go, go. Bon, j'avoue, la montée elle est longue, là, un peu, hein. Il y en a fou. Oh, wouh. Mais. Pour faire le lien, il faut une confiance mutuelle. Je crois qu'elle n'est pas de fait prête. Mais comment il monte aussi vite, lui? Souviens-toi que c'est l'écran qui te choisit, pas l'inverse. Vas-y, c'est retenu. Je vais l'apprivoiser, t'inquiète. J'ai oublié de l'apprivoiser. Non! Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Elle ne te fait pas encore confiance. Continue, elle récompensera peut-être tes efforts. J'ai oublié d'appuyer sur carré. Je commence à croire que j'y arriverai jamais. Et toi, tiens bon. Ok, faut que je continue. Allez. Là, on va continuer à monter tout en haut pour qu'elle me choisisse. Ok, lourd. Why. Ok. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Peut-être je vais enlever la cam. Je préchote déjà, hein. Bah, dis, wesh! Et maintenant. Ok. Il y a un petit jeu, j'ai essayé de l'attraper. Elle avait ski. Ok, ouais, c'est pas un écran facile, ouais, j'ai capté, ouais. Je vais t'avoir, hein, t'auras beau voler jusqu'à la fin de ta vie, je vais t'avoir. Allez, remplis, on y va. C'est parti. Oula, j'ai failli tomber encore. Vraiment, je sais pas où je vais, hein. Là, je fais que avancer, mais... Waouh, hey, les moods violets comme ça et tout, c'est trop beau. Waouh, vraiment waouh. Est-ce que je dois vraiment descendre pour monter? Ah oui, c'est ça. Ok. Mais écoute-moi bien, c'est un lien précieux. Prends-en soin. Une vie à tout jamais liée à la tienne. Oui. J'ai rencontré Zomei juste ici. Elle s'est cabrée en claquant ses mâchoires. J'avais le ventre noué, les mains moites. Mon cœur frappait fort dans ma poitrine. J'ai cru qu'il allait mais elle cherchait seulement à m'impressionner. Oui, je captais. Nos regards se sont trouvés et mon cœur a ralenti. Respiration s'est calmée. Je savais qu'elle me choisirait. Je l'ai senti. J'ai capté. Moi aussi, je vais le sentir, Maïdi. T'inquiète pas. C'est toi? C'est même pas toi! Oh non, il allait me faire tomber! Oh non, il allait me faire tomber! Oh là là! C'est pas toi. J'ai pas compris, je dois en choisir un? Ok, je vais pas trop les déranger avant qu'ils me fassent tomber. Mais attends, mais. Faut que j'aille où, wesh? Ah, c'est lui, non? Il m'a choisi? C'est toi qui m'as choisi? Tu m'as choisi? Je vais te chasser, je m'en fous! Tiens! Je sais pas où je dois aller, frère.
Pourquoi lui il est en bleu? Apaisez les crânes au sommet de la volée et tentez d'établir un lien. Ok, c'est bon. Ah, c'est là que je dois le faire. Ok. Tout va bien. Je vais pas te faire de mal. Je te jure, Mighty. J'enlève ma cam, j'enlève ma cam. Soyons liés, mon frère. Enfin, ma sœur. Donne-lui un nom. Donne-lui un nom. Il t'appartient désormais. On l'appelle comment, wesh? Temek, Telissi, Bursad, Titine, Carole, Amai, Nimoun, Fury, Tempête, Katir. Ah, je peux même choisir le motif, arrête! Moi, je la mets en mode comme ça, je la mets en mode rouge, non? Ah, j'hésite entre les deux. J'hésite vraiment entre les deux. Je crois qu'on va l'appeler Amai, hein. Amai! Non, ça marche pas. Attendez, bah, je remets ma cam. Amai, Titine, Bursad, Nimoun, Katir, Telissi, Temek, Bursad, Titine. Je crois que ça va l'appeler Titine, hein. On va la mettre en comme ça. Titine! Ouais, je vais l'appeler Titine. Les frères, c'est parti, hein. Je vais arrêter Telissi, Titine, on l'appelle Double T. On l'appelle Double T. Voulez-vous donner Titine? Ouais, c'est ça. Hein. Ah, je pourrais plus changer. Telissi. Non, Telissi, j'aime bien. Telissi, on va l'appeler Telissi. Ouais. Je crois que je vais t'appeler Telissi. Voilà. Un nouveau lien. C'est merveilleux de voler par la pensée. Voilà. Telissi, les frères. De toucher un autre esprit. Vos cœurs battant à l'unisson. Vous devez le sécuriser par un acte de confiance. Faut que je fasse quoi, là? Je saute? Wesh! Appelle-la! Appelle ton écran! Telissi! Envolez-vous tous les deux et renforcez votre lien! Oh! Je vole! Je remets la cam, pardon! Oui! Accélérer! On a réussi! Tu arrives! Waouh! Merci beaucoup! Bon, réfléchissons. Comment faire? Peux-tu aller plus vite? C'est où pour aller en haut? Par la accélérer, tourner à gauche, à droite. On plonge. Visée libre. Plonger. Comment on plonge? Regardez vers le bas en chevauchant votre femme. Regardez vers le bas. Non, 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 pourquoi ça marche pas trop là? Tu as faim, ma belle? Vous êtes sûr qu'il faut aller là? Maintenez pour ouvrir la route des nourritures. Nourrir Telissi. Ben, tiens, tiens, Mighty, mange. Et voilà. Tiens, Mighty. Je sais pas comment voler. Pourquoi on va vers le bas à chaque fois, là? Atterrir. Ah, faut que j'atterrisse. Ok, pardon. Waouh. Mighty, t'es où? Ma beauté. Telissi? Ah, elle est là. Mon chouchou. Prête à faire un tour? Oh non, va revoler, wesh. Montrer les commandes. Alors. Contrôler Ikran. On viser devrait libre. Y aller. Comment faire que les chasseurs Aranaïn. Tu as sûrement vu ces horribles ballons. En fait, moi, je veux juste savoir comment on fait pour monter. Je ne pense pas qu'on puisse. Ah, bah oui, bah je vise le ciel. Allons retrouver Etoua. Les frères, on va aller s'envoler dans le ciel. Je vais essayer de sauter. Et après, elle va me récupérer dans le ciel. On teste ou pas? C'est parti, on teste. Je saute. Reviens! Oh là là! Ah, c'est magnifique! C'est magnifique! Attends, c'est pardon. C'est bon, c'est magnifique. Allez. Allez, c'est magnifique, c'est trop bien. C'est incroyable. C'est incroyable. Doucement. Oh là là, oui. Allez. C'est magnifique, frère. Là, faut que j'aille où? Faut que je le retrouve où, le poteau, là? Ah, ok, bah là, faut que je revole. Faut que j'aille là-bas. Mighty! Mais t'es où, wesh? Telissi! Faut que je mange, je suis en train de mourir de faim. Telissi!
Pourquoi? Je comprends pas pourquoi elle vient pas là. Je la trouve pas en fait. Ça se trouve elle est là à côté, non? Ça se trouve elle est vers là. Et bah voilà! Bah ouais, championne! Allez! Je sais plus où je dois aller, je crois que c'est là, non? Ou en haut? Je sais plus, mais c'est. Derrière moi déjà, je dois aller, sûrement. Là-bas, allez! Incroyable. Incroyable. Guettez, on voit d'autres planètes. Oh, frère, allez, c'est incroyable. C'est incroyable, ça. Je vais la niquer, je vais la niquer. Elle m'a fait tomber. Ok, c'est bon. J'ai raté mon atterrissage, c'est vrai, je vous l'accorde. C'est bon. Parlez à Etouwa. Il est où Etouwa? Maïdi, c'est bon. Maïdi, c'est bon, je gère trop bien. J'ai eu mon permis. Je te jure, j'ai eu mon permis. J'enlève la cam. Ton Ikran est fier et farouche. On dirait qu'elle s'est reconnue en toi. Ton père a refusé comme de m'aider. Comme tous les autres. Peu importe ce que je dis, il continue de me voir comme la fille de mon père et pas comme leur Tsarik. Tu es tout ce qui lui reste. Je ne suis pas que l'ombre de ma mère. Elle adorait cet enfant. Quand j'étais enfant, nous volions jusqu'ici ensemble. Elle me portait Ikran et me serrait contre elle. Trop mignon. On s'allongeait par terre. Et on se racontait des histoires sur les étoiles. Je me sentais tellement grande. Elle te donnait confiance en toi. Waouh. C'était les légendes sur les King Lore que j'aimais le plus. Je me demande quelles histoires se racontaient. Ils te les ont volées. Ceux qui viennent du ciel ont trop volé. Ma mère avait compris que leur cœur était empli d'ignorance et de cupidité. Elle s'est opposée à eux et elle a fini par se faire tuer, transpercée par du métal humain. Bon, les voix elles sont un peu décalées, après, que vous savez, hein, c'est pas grave. Question. Ton père pense à ce qu'il a perdu en les combattant, et surtout à ce qu'il risque de perdre. Si nous ne les combattons, alors nous allons perdre. Nous ne voulons pas de cette guerre, mais ils ont fait de nous des guerriers. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Nous devons aller au-devant. Wesh! Ah là là! J'avoue, elle a la classe, hein. Banger. Hé, hey, Priya, il y a quelque chose dans le ciel. Une espèce de signal émis par ces appareils. Les machins volants, vous l'avez bien? Banger de Zinzin. Bon, est-ce qu'on se laisserait pas sur cette vue et leur alimentation dans la forêt? Merde, en la caméra. Kinglor, on aide aussi les Aranahe. Hey, tu peux m'en scanner un? Je vais essayer de voir à quoi ils servent. Mes frères, je crois qu'on va se laisser dessus, sur cette belle vue. L'épisode 3 est fini. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour les nouveaux. Et l'épisode 4 sort demain. Peut-être pas sûr, il y aura peut-être d'autres vidéos, mais en tout cas, c'est sûr que vous aurez un épisode soit dans 2 jours ou soit le jour prochain. En tout cas, les frères, j'espère que vous avez kiffé. Voilà, comme d'hab, si vous avez des petits conseils pour m'aider ou autre, je suis preneur de fou. Et voilà, bisous, à l'épisode 4.